Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais maintenant. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo assez courte comme d'habitude parce que il faut aller à l'essentiel et aujourd'hui, je vais vous parler d'hydratation, l'importance de l'hydratation pour vos cheveux, d'accord? Alors, pour commencer, que ce soit pour votre peau, votre corps, votre visage ou vos cheveux, votre barbe, peu importe ce qu'il y a sur vous, il est important de l'hydrater, d'accord? Parce qu'on est souvent contraint au vent, à la pollution, au froid, etc., à la chaleur, qui peut bien sûr compromettre donc cette hydratation optimale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez absolument hydrater vos cheveux. D'accord? Au niveau de la fréquence d'hydratation avec votre crème hydratante, je ne peux pas vous donner vraiment d'exemple exact parce que il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Vous avez les personnes qui transpirent beaucoup, les personnes qui font beaucoup d'activités physiques comme moi, qui vont devoir mettre plus de crème hydratante sur une semaine, d'accord, sur un moment donné, parce que la crème va s'évaporer et que le principe de la crème, c'est bien sûr de pouvoir hydrater vos cheveux. Si vous transpirez beaucoup, vous avez une activité physique qui est très importante dans la journée, automatiquement, la crème va s'estomper, donc il va falloir en remettre. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la crème hydratante, il faut absolument que vous ayez certains éléments de votre crème hydratante, d'accord? Je pense que je ferai une vidéo pour montrer en fait comment faire sa propre crème hydratante à la maison plutôt que d'aller en acheter, même si les crèmes sont très 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 bien. Moi, me concernant, j'utilise bien sûr, comme vous l'avez déjà vu, la crème Cantu Curling Cream Coconut, que je trouve vraiment très très bien pour moi. Après, voilà, n'hésitez pas à faire plusieurs tests, à essayer plusieurs choses. On fera des tests sur la chaîne, d'accord, de plusieurs crèmes. On essaiera de voir les avantages, les inconvénients, pour essayer de voir ce qui pourrait vous convenir le mieux, excusez-moi. Maintenant, comme je vous disais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une crème hydratante, il y a plusieurs éléments qu'il faut avoir absolument. Il faut absolument que vous ayez du beurre de karité, très important pour l'hydratation, des huiles essentielles du type huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, et j'en passe, il y en a des millions. Mais par contre, il ne faut absolument pas qu'il y ait de produits chimiques. C'est pour ça qu'il est très important de lire en fait les produits qu'il y a derrière enfin les éléments qu'il y a derrière le produit, d'accord? Dans la composition, excusez-moi, de la crème hydratante. Parce que les produits chimiques vont, d'une, vous abîmer les cheveux. De deux, c'est très 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 nocif pour votre corps. Et de trois, c'est pas bon non plus pour l'environnement. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte pour vous parler de l'hydratation. Et j'oubliais, excusez-moi, pour vous parler de l'hydratation, bien sûr, il y a trois choses qu'il faut savoir. L'hydratation de vos waves va servir à un maintien optimal de l'hydratation sur le long terme, bien sûr, pour avoir un meilleur rendu, des waves en meilleure santé. C'est très important d'avoir des cheveux en bonne santé. Deuxième, c'est d'avoir une définition des boucles qui sera vraiment superbe, d'accord? Le fait de mettre la crème hydratante, ça va hydrater vos cheveux et avoir une définition parfaite. Et la troisième, bien sûr, c'est tout simplement de nourrir vos cheveux, en fait. Que vous fassiez des masques, des bains de cheveux, enfin, j'en passe, il y a tellement de techniques, on reviendra en profondeur sur plusieurs vidéos que je ferai dans cette chaîne. Mais voilà. Donc, c'était une vidéo assez courte. Tout ça pour vous parler un petit peu de l'hydratation. Donc voilà, je vais vous mettre en lien, excusez-moi, je vais vous mettre en description le lien de la crème que j'ai achetée et que j'achète, que j'achète maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, pour que vous puissiez me dire votre ressenti par rapport à cette crème. Donc si tu as aimé la vidéo, excuse-moi, c'était un petit peu assez rapide, un petit peu fouillis. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire en bas, je répondrai à tous les commentaires. Ça me fait d'ailleurs plaisir de voir les commentaires que vous posté dans mes vidéos. Et d'ailleurs, je suis content de voir le nombre d'abonnés qui monte au fur et à mesure. Voilà, ça me fait plaisir. On n'est pas beaucoup, mais on est une petite communauté. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui s'intéressent aux waves en France. Et je pense que c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, de pouvoir apporter des réponses, de pouvoir échanger avec des personnes de notre communauté. Quand je dis communauté, je parle bien sûr des waivers, parce qu'il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup qui n'ont pas en fait cette chance de pouvoir comprendre l'anglais, de pouvoir avoir plusieurs produits, de pouvoir avoir des conseils, des routines. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça encore. J'espère que la chaîne va grandir avec vous. C'est vraiment super et qu'il y aura de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vidéos. N'hésitez pas à mettre bien sûr des suggestions de vidéos. Je le ferai, voilà, sans problème. Donc voilà, c'était ton boy Jimmy. J'espère que tu as aimé la vidéo. Comme je t'ai dit, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications.
C'était ton boy Jimmy. Peace.